Ok. Énorme. Juste 2 secondes, je check. Le nid. Ah oui, ok. Tac. 3, 6, 9. Ok, d'accord. On reprend, c'est reparti. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. Attendez, c'est moi ou il coupe du bois avec le bord d'une pelle? Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux bien que ce soit un peu aiguisé une pelle, mais à ce point-là... Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Sinon, Alice va filer en mode igloo, quoi. Allez, entrez. Entrez dans quoi? Dans la serre ou dans la baraque? Je suis perdu. On entre où? Ah. Ça va? J'ai froid, Kara. On va rentrer. Tu vas vite te réchauffer. Suivre Rose, mais... J'ai pas vu où... Ah, ils sont dans la maison, putain, ok. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Donc la dernière fois non plus, j'avais pas été voir Simon sur le toit. Donc c'est là que personne en fait est allé sur le toit. Simon il est toujours tout seul en train de se vider en fait avec son flingue. Et il se fait chier. C'est pour ça qu'on a eu le plan sur lui quoi. Pas banal. Bonjour. Je comprends pas, je fasse quoi avec le... Ah, retirer les chaussures. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ne t'inquiète pas. Ces gens vont nous aider.
Repose-toi et à la même heure demain, on sera au Canada. Je te le promets. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. On va essayer d'être sincère et direct avec elle. Oubliez que c'est une enfant et juste une personne perdue. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Il va falloir beaucoup de spaghettis hein, quand même. Hein. Je vais rester un peu avec elle. Ah, j'ai pas fermé les rideaux, merde! Les rideaux, attends! Merde, les rideaux! Bon, tant pis. Ah, peut-être mal dormir. Vous imaginez, tu fermes pas les rideaux, la gamine dort mal et elle meurt de ça. Bim! Please don't. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Ça c'est parce que j'ai pas fermé les rideaux ça. Ah c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Donc il y a aussi d'autres déviants ici. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle?
Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Parce que j'ai pas fermé les rideaux. Ah putain. Au moins elle voit la réalité. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que le fils, c'est il est pas fan. C'est trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? T'es allé fatal. En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Ça y est, c'est en cours. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Bienvenue dans le sud. Tout de suite. Ne fais pas attention. Ouais, mais t'es à Antibes. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Attendre Rose, explorer les lieux. Attends, explorer. Quand un journal, c'est ça, sur la Troisième Guerre mondiale. Century, Troisième Guerre mondiale, bah tiens, qui seraient les vainqueurs? Antibes, c'est les Alpes-Maritimes, c'est ça? C'est le 06, je crois. Pour le situer exactement, c'est vraiment un collé, genre à Nice, collé à Nice, Cannes, Monaco, hein, on est bien d'accord. Donc t'as besoin d'un autre écran, c'est ça? Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour Stratford par les androïdes. Les machines ont enregistré un message vidéo qui peut être décrit comme une liste de revendications et l'ont diffusé sur les écrans publics de la ville. On ignore encore si ces attaques sont dues à des défaillances ou si elles ont été perpétrées par une organisation. Pour l'instant, CyberLife s'est refusé à tout commentaire, mais nous devrions en apprendre plus dans les prochaines... Ok. Allez voir Alice, parler à Adam. On va essayer. Ah, je pense qu'on peut pas lui parler, mais bon. On va essayer. Rassurer, se confier, expliquer. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. Ouais, ça sert à rien. La police. Il les a appelés? C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. Trouver les traces de l'Évian. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Vite, Luther. Emmène Alice, c'est caché. Je savais. À l'étage, je vendrai qu'ils viennent. À l'étage. Viens, Alice. Je pourrais t'aider si tu veux. On en parle après. Et pour tirer corps, hein. Okay.
Deux traces restantes encore. Adam, reste calme et tout ira bien. Dans les deux restantes. Je vois pas, putain, je vois pas. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. La bonne nouvelle, c'est que je les connais quasiment par cœur, donc bon, ça va pas être trop dur. Attends, les chevaux, on va s'occuper du policier. Elles sont où, les traces de... Attends, traces de déviants restantes. Je comprends pas, putain. Mais y'a rien! C'est insupportable, cette histoire. Moi, je vais me faire griller à 100%, là, ça pue, cette histoire. Je peux pas aller à l'étage, je peux être que en bas. J'ai dégagé la gamine et Luther. J'ai rassuré, j'ai fermé la porte. Il n'y a rien d'autre de jaune. Réfléchis. Qu'est-ce que ça peut être, les traces de déviants? Je vois pas du tout. Hein. Tant pis. Ah là, cacher la preuve. Putain. D'accord, c'est pas forcément en jaune. Ok, c'est pas forcément en jaune. C'est pas forcément en jaune. Ok, en face. Non, putain. Ok, je l'ai vu après. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence. Je t'ai passé devant en plus. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Ah là 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 là. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Aïe aïe aïe. C'est posé sur la commode. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Si, c'est Quantic Dream. Y a quelqu'un d'autre dans la Beyond Two Souls, Heavy Rain. Non, il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici? On en avait un, il nous aidait avec le jardin, mais on s'en est débarrassé. Merci. Il y a le truc sur la commode. Ok, là il va le voir. Ah putain, il faut nous bouger là-haut. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. Par contre, personnellement, je laisse pas le flic fouiller comme ça, hein. Faut pas déconner, c'est pas la teuf. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferai
ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Oh putain! Quelqu'un d'autre dans la maison? Chère machine à laver, genre... C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Pour le coup, ça fait un bordel les machines à laver. Salut Kik. T'as Fahrenheit, par contre, référence de Boomer 3000, fatal. Hein. Je me fume. Il est parti. C'est les années 2000. Ils ont fait quand même 3 jeux depuis. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Train de minuit complété. Attendez, 2, 5, 8, 10. Ok, c'est parfait. C'est le seul que j'ai fait de. Ça marche. Le policier est parti. Attends, les stades du monde. Ok, il y avait 3 fins. 4 fins différentes. Ah, selon où je les ai envoyés se cacher, il y en avait une qui pue la merde, du lent. Ok. Envoyer Alice faire se cacher, fermer la porte. Ok, ça j'avais bien tout trouvé. Adam rassuré, Adam panique. Mentir à propos d'Alice, préparer du café, soupçon du policier sur l'étage, le policier interroge Adam. Il y a un petit bout de fin vers le milieu, cela peut être super. Il y a un petit bout de fin vers le milieu, cela peut être super. Attends. Je sais pas ce qu'on prend, est-ce qu'on va. Ça là ? Ah oui, non, ça ne peut pas être bon ça. Non. Ou ici aussi, soupçon du policier. Il y avait un troisième truc que j'ai pas fait. Ok. Alors, donc Fatal, bah, pour t'aider pour, donc, pour passer sur un écran 27 pouces, il me faut juste ta carte graphique et les jeux auxquels tu joues. Bon, ça pour le coup, je les connais un petit peu. Mais globalement, ta carte graphique en fait et ton budget max. Et après, c'est 27, donc ça c'est facile. Carte graphique, budget max et je te trouve le meilleur écran possible.